Ce résumé vous est présenté par Hôtel.com et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Mbappé, Messi et Hakimi qui en met une couche. On va les compter les sprints d'Hakimi, c'est déjà le deuxième. Le voilà, l'international marocain. Bon ballon, il n'y a pas d'enjeu, mais il y a du danger. Il y a du danger avec... Oh, Neymar qui est passé à côté, la frappe battue, le but. L'ouverture du score de Cancelo. Non, c'est Idrissa Gueye qui vient la mettre. Ah ouais, lucarne après ce contrôle. Et cette première tentative de Neymar qui a été complètement ratée. Heureusement pour le Paris Saint-Germain qui rate cette frappe. Neymar et puis bien sûr Idrissa Gueye qui essaie au deuxième poteau, récupère ce contrôle. Et puis bien sûr, classe le ballon juste dans la lucarne. Grealish avec De Bruyne. Oh, l'extérieur du pied. Très beau ballon. Quel but. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais c'est le bêtisier ou quoi? Mais quel ballon, quel extérieur du pied! Mais comment il n'est pas rentré ce ballon, Kali? Incroyable! Mais comment ce ballon n'est pas rentré? Mais quelle occasion extraordinaire au sens étymologique du terme, entendons-nous bien. Walker, non, ça passe avec Verratti. Bien joué. Ah, très belle récupération. Rodri. Ouais, il est bon aussi à lui, au niveau tentaculaire, on dirait qu'il a quatre jambes. Mais en attendant, De Bruyne la frappe? Non. Le centre de Grealish, non plus, il va y avoir la frappe. Non, la frappe maintenant, la voilà, tiens. Waouh ! Et la prise de balle de Donnarumma, exceptionnelle aussi. Très très belle frappe, ici on revoit toute l'action avec Grealish qui ressort ce ballon justement sur João Cancelo qui frappe en un temps. Le Blamares, De Bruyne, bon, bien joué. Il fait un bon match. En fait, c'était un bon match. C'était un bon match des deux équipes. Troll. Troll de Nuno Mendes. Le mollet va mieux. Beaucoup mieux. Le mollet va beaucoup mieux. Hors jeu, Neymar. Ah non, peut-être pas. Il y a une couverture là derrière. Je pense qu'il n'était pas hors jeu du tout. Et peut-être le deuxième maintenant. Non. Eh bien, il vient de rappeler qu'il était sur le terrain, Ederson, parce que ça fait au moins 30 minutes qu'il a pu toucher une balle. Très bien tiré ça. Très bien tiré ça. Et Donnarumma encore une fois. Elle est belle aussi, De Bruyne. Ça va y aller. Oh, Donnarumma! Elle passe Neymar, là ça va faire mal. Là, ça va faire très très mal. Neymar, il ne savait pas aller le chercher Mbappé là. Il ne savait pas. C'était très difficile pour lui de faire la passe Mbappé parce qu'il y a une très très bonne défense de Citizen qu'il a juste accompagné ici. On revoit encore avec la porte. Il l'accompagne sans le toucher. Imaginons qu'ils encaissent là. Ça ferait mal ça. Par exemple. Ça a été touché? Non, coup de pied de but dès lors. Qu'il est fort, Verratti. Messi. Allez, le petit coup de génie de Lionel Messi, c'est maintenant. On lui avait dit 5 minutes, il est pile poil dedans. La voilà, le relais, c'est ça. C'est ça, oh, c'est ça qu'on attend de Lionel Messi. C'est ce qu'on attend de l'Argentin, du meilleur joueur du monde. Il a attendu son moment, c'est l'instant. Il vient d'entrer dans Paris. Il est là, il est chez lui. Ici, c'est Paris. Maintenant, c'est Messi. Non, il n'est pas hors-jeu, Silva. Il n'est pas hors-jeu. Il ne peut pas frapper. Maintenant, si Donnarumma. Encore un beau réflexe pour un gardien de sa taille.
T'as déjà vu Messi comme ça, toi? Jamais. Attends, il est... ça c'est quand même une image incroyable. Bon, alors c'est le moment, c'est l'instant. Marais. Il va ouvrir. Eh oui. Eh non. Tout ça pour ça. Bon, en attendant. Encore Marais. Oui, ouais. Encore Marais. La prochaine fois qu'il allait à De Bruyne, non? Encore Marais, ouais. Ce résumé vous a été présenté par Hotel.com et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.